On est de retour. On va se faire attaquer. On va se faire attaquer, mais on a des armes à crafter avant. Enfin, genre, j'espère qu'on a les matériaux. Donc. Bon, ça, on va pas le faire. On n'a pas vraiment besoin d'un lance-grenade violet, parce qu'on peut pas en faire plusieurs. Donc, ça, on va pas le faire. On a lance-roquette, les mines. Le pistolet à plasma, est-ce que ça vaut le coup de faire un pistolet à plasma? Peut-être. Voilà, on fait ça. Je dirais pas non pour le pistolet, peut-être à plasma. Comme ça, on en a un violet. Comme ça, on a la mitrailleuse violette et le plasma violet. Crafting completed. On va pas en faire plusieurs, par contre. Alors, on va virer ça. Alors, hop. Ouais, c'est pas mal. Nickel. Alors, dégâts sur le temps. Ça, il faut la glace. Non, c'est l'acide ou la glace? C'est l'acide. Activer dégâts infligés à l'arme dans le temps. Dégâts dans l'acide. Acide. Et... Ah oui, le fragment de projectile. Je crois que c'est quand ça touche une cible. Alors, un projectile supplémentaire généré lorsque la cible est atteinte. Ça peut être intéressant. Quand tu périmètre de dégâts chez les plus. Taux de tir, tirer plus vite. Projectile par tir, plus de projectiles. Vous voyez que avec un tir, des fois on tire deux tirs, vous voyez ce que je veux dire? On appuie une fois, ça tire un tir là. Là, ça en fait deux. Ouais, donc ça, ça peut être pas mal. Donc on a trois zones ici et une ici. Attends, on va en chier. Ah putain, ça, ça va prendre cher. Ah là, ça casse les burnes. Ça casse un peu les burnes. Un peu notre non, là, il faudra un deuxième truc de soin de l'autre côté. Ouais, c'est pas magnifique hein, mais bon. Centrale à magma, c'est bien. Magma. Magma. Okay. Bon, vous venez les bestioles? J'ai pas que ça à foutre, moi. Je dois partir. Danger! A hostile swarm is moving in on our base. They are almost upon us. Je vais voir un peu. Ça a surtout joué là. Bon, ça se fait encore défoncer, c'est pas grave.
Eh hey, ça tue apparemment. Merde, attends, attends, je suis pas équipé pour le combat, moi. Je m'avance comme un con, mais... Quel bordel! Je pense que les autres endroits morflent un peu. Ouais, on a des abeilles là. Il en reste un peu sur le petit avant-poste, mais ça devrait aller. Bah là c'est pas mal. Encore une fois, comme j'ai dit, les trucs chiants c'est ça. Mais sinon ça tient bien. Après, ça tient extrêmement bien quand même. Toi, les mines,
Ouais, total périmètre ici. Ça va. Non, ça tient, hein. Non, c'est les murs. Les murs sont très très résistants. Ouais. Les murs sont extrêmement bien résistants. Mais honnêtement, encore une fois, on a fait ce truc, ça sert un peu à rien, comme j'ai dit. Mais c'est marrant. Alors, je vais juste aller... Après, on se casse. Juste aller récupérer... Voilà, ce gisement. Là, on est bon. Alors. Alors, centrale magma, ça c'est bien. Les blindages anticorrosifs et tout ça, c'est cool. Ça va nous aider. Pour l'instant, c'est que des niveaux 1. Donc, c'est pas extra extra. Donc, on va devoir les développer un peu plus. Ça, c'est quoi? Télé de réparation niveau 3. Là, on a les tours en plus. Entrepôt d'énergie. Centrale à gaz. Compresseur liquide. 150. Synthétiseur, on va sûrement en avoir besoin après. Armurerie. Petite mitraillette. Ça non. Machine en titane. La mine, petite mine. Bof. Canon sentinelle, on s'en sert pas vraiment. Ça. Ioniseur, raffinerie, liquide, refroidissement. Voilà, là, niveau 2. Ah, ça c'est quoi ça? Les modules peuvent être installés. Un emplacement amélioré des mechas. Ils contiennent des instructions et programmes modifiés le comportement et capacité du mecha. C'est nouveau ça ou pas? Je crois pas que ce soit nouveau. Sans amélioration. Donc drone d'attaque. Ah non, c'est... Ah si, c'est peut-être nouveau. C'est des drones en fait. Ce qui est embêtant, c'est que ça, ça va remplacer les améliorations. Parce qu'on peut en avoir que 4. Donc pour le moment, à part avoir des trucs qui donnent des HP en plus, je vois pas vraiment ce qu'on peut avoir. Noyau de fusion. Bon, ça suffit pour le moment. On a déjà tout ça. Ça fait déjà une heure. Let's go, on se casse. Let's go. Alors, où est-ce qu'on veut aller? D'abord boire un coup, puis après je choisis. On a la vallée métallique avec du cobalt. C'est moyenne niveau de menace. Après, on a une autre zone tropicale, mais la menace est élevée. Donc, go DLC. Ça, c'est DLC, ça. On voit un peu comment ça se passe. Ça devrait pas être trop difficile. Puis, on peut faire une bonne base là-bas, je pense. Un ancien cratère formé par l'impact d'une météorite, le scan orbital à grand rayon a détecté la présence d'éléments lourds en abondance et a révélé que la composition des sols de cette zone était principalement métallique. Vas-y. Donc ça, en théorie, c'est du DLC. Donc on va voir un peu nouveaux monstres, nouvelles technologies et tout ça, on va voir un peu ce qu'il y a. Menace moyenne, donc honnêtement ça devrait aller. Élevé, c'est où est-ce qu'on est, par exemple le biome de base là, avec la base. Donc on a vu les vagues quoi. Là moyen ça va. Moyen on peut le faire. En fait je crois que quand c'est élevé il faut honnêtement des murs. Après quand c'est moyen on peut le faire soi-même. Genre on peut être le mur.
je pense. Donc on va voir ça. Cobalt direct, d'accord, cool. Ouh, musique. Ah, c'est du rock. Il y a une version rock. This place looks like a completely different planet. The plants and rocks look like they've been fused with the heavy metals that are so abundant here. I am detecting regular dark energy wave pulses. It is difficult to assess where they originate from. I need some time to gather more readings. Okay, Mr. Riggs. In the meantime, we can walk around and explore the area. Ah, c'est cool. Are these dragonflies? They have metallic wings and reinforced carapaces, but the majority of their bodies is organic. This is very odd. Watch out for this species, Ashley. It looks very aggressive and can fly over terrain obstacles. Oh, eux ils peuvent. Parce que c'est vrai qu'on a dans le jeu on a des on a rien qui vole en fait, qui peuvent passer genre par-dessus les cratères. Donc ça apparemment ça pourrait passer à travers au-dessus des murs, des enfin des cratères et des murs aussi, des rochers, je vois un peu. Ouais. Ils peuvent. Donc ça rajoute une menace, ça c'est pas mal. Is this a drone or a creature? It doesn't look natural. These flying round creatures are biomechanical hybrid organisms. However, I would not classify them as typical cyborgs. I cannot see a clear distinction between organic and mechanical parts. All of their elements function perfectly together. They either evolved this way or they've been bioengineered. Both options are equally disturbing. Let's see what other curiosities we can find here. Il y avait un truc invisible. Il m'a défoncé le machin. C'est gentil ça? Ouais, c'est gentil. On a bien fait d'avoir un nouveau laser. C'est quoi ça? Ok. Carbonium. Oh, c'est quoi ça? Des structures? Il me faut mon radar. Look at these structures. These aren't natural. They must have been made by an advanced civilization. Cool. I can even see some wreckage. Are these remnants of an ancient native civilization or has someone visited this planet before us? This raises so many questions. Ashley, this is a very significant discovery. It could change the classification of our entire mission to Galatea 37. We need to conduct a thorough analysis of these objects. On a pas mal de cobalt partout, ça c'est vraiment cool. Secure the area. Construct a research station near the archaeological site. Assess if the find poses any threat to the expedition. Affirmative. These should be our immediate goals here. What about the dark energy wave emissions that we were tracking? Are they coming from these ruins? No. The source of these emissions seems to be hidden behind the alien structures, somewhere within that crater. Okay. As soon as we finish analyzing these structures, we'll need to find a way inside there. Alors, eux, ils ont l'air de s'en foutre un peu de la glace, ou c'est moi?
Bon, après, on fait beaucoup plus de dégâts que la moyenne, ça va. Cobalt. Ah ouais, on fait très mal. On fait très mal. Enfin, tout fait très mal, en fait. Donc, nous, on fait mal, eux aussi. Un peu partout. Vas-y, go. Il y a des sentinelles, voilà les lasers. C'est fun ici. J'arrive pas à t'avoir. Je regrette pas d'être venu, c'est sympa. C'est pas très difficile pour le moment, mais c'est pas simple non plus. Donc ça va, ça se passe très bien. Ça se passe très bien. Yes, on a la version violette. Donc ça c'est cool. Après, je me demande s'ils sont allergiques. Non, pas allergiques. S'ils sont faibles contre l'électrique. Par contre, j'aimerais bien... Le bombardement, qu'est-ce qu'on fait? On l'enlève. Parce que c'est vrai qu'en fait, la mini forêt, ça pourrait être sympa de la mettre pour le cobalt. Enfin non, on s'en fout. Non, on va pas se faire chier. On va pas se faire chier à faire des petites foreuses partout, genre qu'on passe... on fait un repérage de la zone, puis après on va forer, tout simplement. On va faire une base, bien comme il faut. Voilà, c'est ce qu'il nous faut, quoi. J'avance doucement, c'est pour le radar hein, qui revient. Juste pour pas qu'on ait de surprise, quoi. Oh putain! Ok. Putain, les trucs invisibles, t'es chaud. Cobalt ici aussi. Là, on va pouvoir récupérer plein de cobalt. On va faire une belle base. Invisible de merde. Parce que je regarde en fait où je pointe et je regarde pas mon robot en fait. Donc du coup, je sais pas. Bon. Ah, c'est des. Ouais. Le bombardement, on le garde parce que c'est vraiment le, ça fout vraiment le bordel, quoi. J'avoue que c'est bien.
Très bien. Let's go. Ok. Pas fini. Ok. Des lampes. Lampe jaune. Oh. Très bien, c'est quoi ça? Nouvelle espèce. Le cobalt c'est quoi? C'est le bleu clair, hein. Ouais, d'accord. Par contre, il y a ça aussi, il faudrait qu'on regarde un peu le sol de temps en temps. C'est vrai qu'on n'est pas venu trop tôt hein, dans cette zone, sinon on aurait morflé. Très bien, très bien. Je crois qu'il y a du cobalt à gauche. Non. Ok. Juste au cas où, hein? Juste au cas où. Cobalt. Si c'est du cobalt. Non, c'est le bleu foncé le cobalt. Bleu foncé. Go. Quoi ce bruit? Ok. Cobalt, yes, nickel. Parfait. C'est quoi ce machin là?
Ça explose ça? Ça n'a pas l'air de faire de dégâts. Les plantes qui explosent, tout ça, faut faire super gaffe à chaque fois. Merde. Pardon. Mauvaise touche. Il y a du cobalt de tous les côtés, quoi. Alors, je sais pas où est-ce qu'on va mettre le camp. Parce qu'ils nous disent de faire ça, donc construire une station de recherche. Donc faut faire une station de recherche ici, mais bon, là c'est un peu réduit comme... Par contre je voudrais peut-être voir ça d'abord. Genre combler les... On va essayer de regarder la map entière, de découvrir la map entière. C'est l'intérieur de la structure. Ah, peut-être qu'on peut aller sur la droite. Alors, là, on va faire que du cobalt. Ça va être tellement, tellement bien. Vraiment, vraiment cool. Bon, ça a l'air d'être tout bloqué avec des montagnes ou alors des crevasses. C'est bien ça. Hein. Ouais, donc il va sûrement avoir un truc à faire. Je dirais, pour passer les structures. Les musiques sont cool. Les musiques sont sympas. Déjà, la musique du jeu de base était sympa, donc là, c'est encore top. Ah, il y a un truc là. Ah attends, c'était peut-être pas agressif ça, c'est des... Merde. C'est du métal liquide ou c'est de l'eau? On dirait du métal liquide. C'était une nouvelle espèce en fait, peut-être que ça attaquait pas. Je vais voir le vent ici sur le biome, le vent 125 et le la lumière 75, donc on fera surtout des éoliennes. Surtout des éoliennes. Donc vous êtes méchant vous ou pas? Ouais. Vous êtes juste différent, vous êtes méchant. Ok. Ah,
encore du cobalt. Oh merde! Je crois qu'on est bon. Très bien, un mode. Fouf. Ah, on est une petite armée à nous tout seul, hein, comme ça. Pas mal. Une tronçonneuse. C'est le mode en violet, je crois. Ouais. Ah tiens, on a le blaster aussi en violet maintenant. Research completed. C'est bien parce qu'on a la turbine là. Enfin la foreuse niveau 3. Ça va être vachement bien pour récupérer le cobalt. On pourra directement mettre du niveau 3. La vie là au maximum. Tourelle bioscanner, je veux aussi qu'elle soit augmentée. Capteur avant contient cette version de la tourelle bioscanner, permet d'agir plus longtemps et de scanner les objets intéressants plus rapidement dans un rayon bien plus large. Elle permet aussi d'augmenter la quantité de données utilisées pour. On sait pas. Très bien. Laser orbital, on va aussi l'augmenter. En premier. Par contre, je crois qu'on peut pas faire. On n'a pas les matériaux. Ah non. Non, il faut. Là, on est vraiment à la recherche des matériaux. On est très avancé par rapport. On est très avancé en recherche par rapport aux matériaux qu'on a. Ça arrive souvent avec moi. Mais bon, au moins on est tranquille. Genre, on n'aura jamais de problème. On va pas être dans la merde, rien. Oh là là, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a le rayon qui est très efficace. Il y a le bombardement qui est pas trop efficace. Mais honnêtement, on n'a pas grand chose pour le remplacer. Comme j'ai dit, je vais pas mettre une mini foreuse, ça sert à rien. La sentinelle, c'est la version niveau 1, ça sert à rien. Après, on peut faire plusieurs mines. Non, c'est très bien comme ça. J'aime bien la façon dont je joue. Structure extraterrestre.
putain, ça les a électro... Ouais, putain, mais l'électrocution, en fait, ça fait méga mal. Hein. Je crois, hein, sur ces bestioles-là. Bah après, vu que c'est du... C'est du robot, ça a un peu de sens. Ça a un peu de sens, donc c'est bien. On n'est pas ralenti dans cette eau. Non, on n'est pas ralenti. Donc du coup, notre rayon là de l'aube, on va l'appeler rayon de l'aube. On va l'appeler rayon de l'aube. Bah du coup, ça fait beaucoup de dégâts. Très bien. Ok, nickel. Oh là là. Il y en a du cobalt de tous les côtés, hein, putain. Ah, on va s'amuser hein, niveau cobalt. C'est marrant ces structures là. Genre ça fait des structures, des parts de pizza là. Bon, je crois qu'on est sympa là, on est bien là. On pourrait peut-être un peu faire un peu plus sur l'extérieur. Le radar. Oh, invisible. J'aurais dû voir si on pouvait pas le scanner avant. Oh, là, on a la bio à... Ok, ça c'est bon, on a le rouge maintenant. Et on a la toile bioscanner aussi. Ça y est. Donc le soin, 25 secondes de cooldown, 100% de la vie. Donc ça c'est cool. Et on a la tourelle bioscan niveau max aussi.
Nickel. Oh, on peut te scanner. Non, merde. Alors maintenant, on fait notre bazo, nous. Il n'y a pas vraiment de grands endroits. Là, ça peut être pas mal. Enfin, là, on va dire. J'en sais rien. Si jamais on a des vagues et tout ça, je sais pas comment ça va se passer, en fait. C'est un peu un endroit de merde hein, pour faire une base. Un peu un endroit de merde. Ça c'est quoi? C'est de l'eau qui est là, la mare là. Ouais, est-ce qu'on peut... On peut le récupérer. Mare de morphium. D'accord. Je... Ok. Nickel. Ok, donc une mare de... Je sais pas à quoi ça sert, donc si c'est là, on va peut-être en avoir l'utilité après. Donc se mettre à côté, c'est pas si mal. Rien. Cobalt ici. Non. Carbonium, j'ai rien dit. Voilà. On est bon. On a fait le tour. Alors on va commencer à faire notre petite base. On pourrait la faire tout autour de ça, en fait, honnêtement. J'ai pensé à ça. Là, par contre, il y a quoi à l'intérieur? Ouais, il y a du produit, en fait. D'accord. Ouais, je pense que peut-être qu'on pourrait faire autour de ça. Allez, on va s'équiper. On peut faire les violets ou pas hein? On a le laser optum. On va s'équiper avec avec deux pour le moment, parce que j'ai quand même envie d'avoir de la défense au cas où. Bon. Ah, quelle couleur c'est ça? Ah, comme ça. Pourquoi pas?
bien. Allez, tout ça, on vire, c'est moche. Voilà. Ah, je crois qu'il faut... Ah non, les murs, je crois qu'on peut les poser sans quartier général. Cobalt là, c'est très con ce que je viens de faire, c'est pas grave. Tu peux arrêter de voler là, dans mes murs, s'il te plaît? Merci. Déjà, ça protège un peu, et là, on va faire là. Je sais pas si c'est vraiment nécessaire, en fait, ce que je suis en train de faire, mais... j'ai envie de dire, on peut le faire. Donc, pourquoi pas. Vous voyez ce que je veux dire? Si on peut le faire, pourquoi pas? Voilà, nickel. On a notre mur. Des bestioles. Très bien. Nickel. On a du géothermique ici. C'est pas mal le géothermique. Bon, on va commencer à... Peut-être à faire de l'énergie et tout, machin. Ce serait bien aussi. Parti. Quand il fait nuit, apparemment, on a toujours le vent à 125. Donc ça, c'est vachement bien. Là, il faut du cobalt, donc on va pas en mettre.
Alors, on fait voir un peu le courant. Ah oui, on n'a pas de... pas de quartier général aussi. Donc j'ai dit on allait le placer en plein milieu de là. Parce que pourquoi pas. On va le placer là. Outpost construction in progress. Nickel. This building is a local version of our headquarters. It will allow me to reconstruct whenever I am destroyed. And it has a permanent rift station that we can rift jump to at any time. It will okay. also allow us to automatically transfer all of the resources that are mined in this location back to our HQ, even if we're not present in this location. We can construct a network of such outposts around the planet to build up our economy. It's the only way to acquire enough resources to construct the rift station and all of its components. Be mindful of where we place these buildings, though. Our headquarters have a capacity limit of how many outposts we can support at once. So whenever there is no use for an outpost, we should deconstruct it and recycle the resources that were used to build it. Ouais, que bah il dit exactement ce que j'avais expliqué, que on est limité en avant-poste. Voilà, très bien. On va pas faire un truc très grand parce qu'honnêtement je pense pas qu'on ait besoin d'un truc très grand. Voilà. On va couper là aussi. Oh. Normalement on peut se téléporter. Ouais, on peut se téléporter. Je dis qu'on va pas faire un truc très grand. On va faire un truc ok quoi, hein, un truc potable. Faut que ça soit joli, faut que ça soit quand même efficace quoi. Parce que comme j'ai dit, ici ça va sûrement être un endroit où on va avoir des comment ça s'appelle, les ressources de cobalt en fait. Donc du coup, il faut que ça dure, il faut que ça fonctionne. Il faut que ça fonctionne. Déjà, on a couvert le nord, l'ouest, il est couvert. Oh, on a des bestioles là. Le courant, on est à 3400, c'est très bien. On va commencer à miner le cobalt et tout qu'on a vu à l'extérieur là. Du coup il nous faut ça. Voilà, nickel. Alors, fais voir un peu, ça augmente. 224. Ah, c'est pas fini, ok. Ah ouais, d'accord, ça met 3000 ans à se faire ces trucs, ok. Je pensais que ça allait autant que les petits, mais en fait pas du tout.
après on peut faire ici. Géothermique. Nickel. Et là, je voudrais bloquer entre bah là en fait. Comme ça, ça fait pas trop grand. C'est nickel. Parfait. Parfait, on va mettre un téléporteur. On est à combien de temps? On a dépassé l'heure. Ok, nickel. Est-ce qu'on commence à pomper? Yes. Nickel. Alors, hop, hop, hop. Ok, on est bon, on a tout pris. On peut prendre ça à la limite, même si c'est pas utile honnêtement. Mais bon, c'est sur le chemin. Là, on peut bloquer ça, ça nous fera un joli mur. Pour le moment, on n'a pas mis de tourelle. Je pense que ça va commencer à attaquer quand on fera la mission, en fait. Ah putain, c'est ça. Là aussi, il y en a. J'aime bien faire des bases comme ça. Tellement rapide. Ah là, on s'installe, nous, hein. Vous imaginez des fois des civilisations, elles mettent des années à faire les trucs. Bah, nous, en quelques heures, c'est bon. On s'est installé, on a tout changé, hein. Voilà, là c'est pas mal pour faire un mur. Yo. Bah tiens, c'est marrant, on peut passer là. Il y a des problèmes de collision, j'ai l'impression. J'avais jamais eu ça avant. Ouais, jamais eu de problème de collision comme ça. Pourquoi il y a ça qui a été construit en dehors ?
Ok. Oh là là. Attendez, ça c'est du quoi? C'est pas ce qu'on veut. Il faut qu'on mette un téléporteur ici. Je crois qu'on a fermé la zone là, hein, d'accord? Ouais, on a fermé la zone, on est bon. Donc il faut du bleu comme ça là. Donc là, tout ça là, ça en est. En théorie. Donc on va passer par le haut. Après c'est vachement pratique aussi de se déplacer vite. Hein. Il y a une bestiole là, non? Ça va. Voilà, cobalt, c'est ce qu'il nous faut. Nickel. Et après on en a encore un pas loin. Nickel. Après un juste derrière. Oh oh oh. Ok, très bien. Ça va miner extrêmement vite en plus. On a combien de cobalt? Le cobalt reste pas affiché comme c'est pas du primaire du coup. Ouais, ça va, genre 1K quoi, toutes les 3 secondes. Donc ça va. 1K tous les 3 secondes, c'est très bien. Et tout n'est pas fini encore. Ah, ce bruit que ça fait, les mes tourelles là, les drones. Faire gaffe parce que là on a que 200 points de vie, donc c'est la merde. Voilà, très bien. Voilà, nickel. Voilà. Il y a le courant qu'il faut rajouter un peu. Est-ce que ça vaut le coup de faire des panneaux solaires? Je sais pas. On va dire que si jamais il y a une anomalie où, où la lumière va nous permettre d'avoir plus de courant, ça va aider quoi. Voilà, très bien. Vous voyez pourquoi c'est important d'avoir un bon départ avec la base principale?
Vous voyez que les ressources en fait qu'on a là, c'est ça nous permet de tout faire en fait, de faire ce qu'on veut. Ça nous permet de faire absolument ce qu'on veut. Par contre, je voudrais bien savoir à quoi ça sert ça du coup. Voilà, on va devoir s'arrêter de toute façon parce que ça prend. J'ai pris un peu trop de temps. On est à 24K de cobalt. Donc là, ça y est, on a les choses en cobalt qui vont être très bien. Niveau 3, niveau 2, niveau 2. On va pouvoir créer les choses en cobalt directement. Au lieu de se faire chier là. Là c'est pour les plantes. Ok, niveau 2, niveau 2. Ok, on est très bon. Ça aussi, on va pouvoir en faire. Je sais qu'il y a les tourelles, genre celle-là, elle a besoin de cobalt, voilà, niveau 3. Voilà, nickel. Il y a ça qu'on peut augmenter du coup, parce qu'on est du cobalt. Ouais, les réserves d'énergie. Voilà. On va récupérer tout le reste. Dis-moi qu'on monte à 1 million d'énergie. Yes! 1 million 7. 1.07 plutôt. Voilà, nickel. Comme ça, on a une belle réserve. Très bien, on va pouvoir faire, faire pas mal de choses. 1.441, putain. Est-ce que... Alors après, ce qui est intéressant à regarder, c'est... On va s'arrêter, hein, je sais. Mais avec quoi on peut faire de l'énergie? Alors on a ça, c'est vrai qu'on a les centrales de carbonium. Parce que le carbonium, en fait, on n'en a pas vraiment besoin. Donc à la limite, oui, on peut l'utiliser en tant qu'énergie. J'avoue que ça pourrait être une solution, en fait. Ouais, parce que on a la base qui en nous envoie tellement, ça sert à rien en fait. J'avoue. Est-ce que ça passe ou pas? Non. Faudrait faire genre ça. Voilà. Ouais, non, le carbonium, on va pas l'extraire, on va l'utiliser en tant qu'énergie. C'est nettement plus intelligent en fait. Nettement plus intelligent. Ferronium, on s'en fout. Ah mais laisse-moi passer.
Ok, on est bon. Voilà, l'énergie elle est au max, on est à 2500 en bonus. Très bien. Donc voilà, du coup on n'a pas vraiment de gros problèmes avec l'énergie. Ça c'est bien ça. Bon, faut vraiment que j'arrête par contre de jouer. Je me demande si on devrait pas déjà pomper ce liquide. Et en faire une réserve, mais je sais pas à quoi ça sert. On verra ça la prochaine fois. Désolé, on s'arrête, allez. On s'arrête, c'est très bien. Et après, il faudra mettre le... la station de recherche juste à côté de la porte. Mais d'abord, je voudrais une bonne réserve de cobalt. Même si on est déjà à 50k quand même. Donc ça va très vite. Alors, on est à 2 millions. Ah, très bien. C'est quoi notre maximum? 2500 d'énergie? Ah, mais là, on n'a pas le... On n'a pas les... Les panneaux solaires, donc ça va, normalement c'est un peu plus. Voilà, on s'arrête là. Merci beaucoup d'avoir regardé, à la prochaine pour plus de DLC. Ciao ciao.